Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci de nous avoir unis ce soir. Thank you for bringing us together tonight. Dans ta présence. In your presence. Merci de nous accorder cette grâce, oh Père. Thank you for giving us this grace. D'être au-devant de toi. To be before you. Pour parler en ton nom. To talk in your name. Pour te glorifier. To glorify your name. Pour te magnifier. To magnify your name. Pour t'adorer. To worship you. Ce soir, nous sommes reconnaissants, Seigneur. We are grateful pour tout ce que tu as accompli en Jésus pour nous. For everything you have done in Jesus pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour ton peuple. For everything that you've done for your pour ton people, amour, Seigneur, qui s'est manifesté. Love, God, that is manifested. En cette nuit encore, Seigneur, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tonight, to the image of our Lord Jesus Christ. Merci pour ce grand amour, ce grand sacrifice. Thank you for that sacrifice, for that love. Et nous sommes reconnaissants. And we are grateful. Et nous voudrons te dire merci. And we want to worship Hallelujah. You. Thank you. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. J'ai dit Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est un grand moment, mon frère, ma soeur. This is an important time. Sans Vendredi Saint, il n'y a pas de Pâques. With no Good Friday, there's no Passover. Sans Vendredi Saint, il n'y a pas de résurrection. Without a Good Friday, there's no resurrection. C'est pourquoi la nouvelle est très bonne cette nuit. That's why we have a good news tonight. Nous avons marché tout ce temps. We've walked all this time. Et c'est le sommet, alléluia. And this is the summit. Parce que depuis cet après-midi jusqu'à cette nuit, notre Seigneur Jésus a été mis en terre. Alléluia. Because from the afternoon till the night, our Lord Jesus was buried. Il a été mis en terre. Est-ce que tu t'es posé cette question? Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps? Jusqu'à ce que la vie jaillisse du tombeau. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur? À l'intérieur de ce sort, de cette terre. Alléluia. What was going on in that tomb? Qu'est-ce qui se passait? What was going on? Est-ce que tu as vécu cela aujourd'hui? Did you experience that for yourself today? Est-ce que tes pensées sont allées vers ces paroles qui nous ont été données en Jean? To remember those words that we've meditated in John? Est-ce que tu es rentré dans ces paroles? Did you meditate those words? Pour ceux qui ont vécu, qui ont marché pendant ce temps, en restant dans l'esprit de ce temps, ont senti vraiment la lourdeur, ont senti que ce temps était dur, c'était difficile. Alléluia. For those of us who took the time to really experience this time, this walk towards the Passover, we can all testify that this walk was difficult. Notre Seigneur est vivant, il est réel. Alléluia. But our God, our Lord is alive, he's real. Alors c'est un grand moment. So this is a great moment, a great time. Quand nous avons, pour ceux et celles qui ont lu et médité la parole, for those of us who read and meditated, ça ne fait pas partie de la parole de ce soir, mais c'est une parole qui est tellement puissante, alléluia, de ce que nous avons reçu. You give me, pour ceux qui ont médité et lu, to go over, il faut lire passage, la parole, because it's sinon a nous sommes vides. Passage. And we need to sans read la parole, the nous word. Sommes vides. Without it, we are empty. Nous ne sommes pas forts without the sans word, la parole. We are not strong. Alléluia. Amen. Et nous avons lu cette parole puissante. Dans Jean 18. In John 18. Au verset 28. Verse 28. Qui nous dit précisément. The Bible says. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Early in the morning, Jesus was taken from Caiaphas' house to the governor's place. The Jewish authorities did not go inside the palace, for they wanted to keep themselves ritually clean in order to be able to eat the Passover meal. La Pâque se mange dans la pureté, à mon frère, ma soeur. The Passover meal is eaten in purity, in cleanliness. Et regardez ces personnes-là. So look at these people here. Ils attrapent Jésus. They caught Jesus, they arrested Jesus. Ils arrêtent Jésus et ils emmènent Jésus, alléluia, chez Caïphe.
Mais il refuse d'entrer dans le prétoire, c'est-à-dire il refuse d'entrer à l'intérieur. Amen. To Caiaphas' house, to the governor's palace, and they refused themselves to enter. Pourquoi? The palace. Why? Parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. Because they wanted to Pourquoi? Keep themselves clean. Parce qu'ils doivent aller manger la Pâque. Because they had to go eat the Passover meal. La Pâque se mange dans la pureté. You eat the Passover meal. Pureté de cœur. In purity, ton cœur doit être blanchi. Your heart needs to be de toutes ces choses là. From anything. Parce que la Pâque c'est le renouvellement de notre grâce, de la libération. Because Jésus, cette nuit, mon frère, ma soeur, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, freedom. Même si tu n'as pas encore Christ, tu nous suis, mais sache que c'est un jour, une nuit à ne jamais oublier. Whether you're a Christian, la nuit or de you're vendredi not a Christian, saint. I want you to understand that this day, the Good Friday, is a day to celebrate and never forget. Parce que about. Le Seigneur Jésus renouvelle cette grâce Because avec the Lord son Jesus sang sur notre vie. Use that grace through his blood. Et la Bible dit dans Hébreux que le sang des animaux, des boucs, permet une purification extérieure. The Bible says in Hebrew that the blood of goats and animals will clean you on the outside. Dans Hébreux 9, alléluia. In Hebrew 9. Mais le sang de Jésus permet une purification intérieure. Le sang de l'agneau part jusqu'à sur notre conscience, sur le plateau de notre conscience, pour extirper toutes ces taches de mort, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Get you rid of all traces of death so that we can serve him, serve the living God. Alléluia. Amen. Et regardez ces personnes-là qui arrêtent Jésus. So look at these people here who arrested Jesus. Jésus qui n'a rien fait. Jesus who's done nothing wrong. Jésus n'a pas péché. He did not sin. Comme il a dit dans la parole que nous avons médité. Il dit, tu le dis au verset 39, au verset 37. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Verse Jésus 37. N'a rien fait. Jésus est pur. Jésus, c'est la vérité. Mais ces personnes-là attrapent, arrêtent Jésus. Those et puis, people arrested Jesus. Et puis, elles refusent de rentrer dans le prétoire and they refuse avec to Jésus. Enter the palace with Jesus. Parce que pour eux, Because for them, ils ne veulent pas se souiller. They did not want you Hallelujah. Be unclean. Amen. Alors que qu'est-ce que Jésus nous dit ici? But what did Jesus say? Alléluia. Amen. Il dit dans Jean, toujours 19, au verset 11. Je sais que c'est des paroles que nous avons lues. Alléluia. Ce n'est que l'introduction. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. 19, verset 11. Jésus répondit. John 19, verse 11, Jesus said, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Le Seigneur est en train de parler à qui? À Pilate. The Lord Jesus said, you have authority over the over me only because it was given to you by God. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. So the man who handed me over to you is guilty of a worse. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire simplement? What is the Lord telling us here? Des gens ont arrêté Jésus qui n'a rien fait. People arrested Jesus who's done nothing wrong. Et ils refusent de rentrer dans le prétoire de peur qu'ils puissent se souiller pour ne pas aller manger la Pâque. C'est contradictoire. Jewish so that they don't get unclean because they had to go eat the Passover meal, but that's not doing anything. Jésus dit celui qui m'a livré a commis un plus grand péché. Here Jesus says that those who handed me over have committed a worse sin than you did. Comment on livre Jésus? How do we Peut-être tu vas dire mais moi Jesus. Ah, mais c'est pas moi. Moi j'étais je suis pas Judas. You can tell je yourself, n'ai jamais livré oh, Jésus. I'm not Judas Iscariot. Mais ces personnes qui ont arrêté I Jésus pour aller livrer Jesus. Jésus n'étaient pas des païens. Jesus, they were not non-believers. Ce n'étaient pas des païens, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Ils étaient qui? Who were they? Des pharisiens. They were Pharisees. Ils connaissaient la loi de Moïse. They knew Ils connaissaient the law la parole of Moses. De Dieu. They knew C'est the word eux qui ont arrêté God. Jésus. And they're all the ones who arrested Jesus. Amen. Amen.
Et Jésus nous dit que celui qui le livre a commis un plus grand péché. Mais eux, ils pensent qu'ils allaient se souiller en rentrant dans le prétoire. Alors qu'ils sont dans un grand péché. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? But they had committed something even worse. On livre Jésus à tout moment. We hand over Jesus. Comment all the nous time. Le livrons? How en do tant we que hand chrétien? Him over as Christians? Point d'interrogation. Question mark. Ce soir, il a été livré pour nous. Tonight he was handed over for us. Et nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. And now we're going to go over our sermon for Alléluia. Tonight. Amen. Faut dire le Seigneur en a besoin. I want you to say the Lord needs it. Est-ce qu'on est vivant? Il est 22h, nous partons vers It's minuit, alléluia. Pour rentrer dans le samedi. To enter Saturday, parce que depuis l'après-midi jusqu'à samedi, les choses sont Saturday, en train de bouillir, things là, alléluia. Have been things have been boiling. Et le dimanche, tu es là, And tu es Sunday, ressuscité. You come back to Amen. Us, you are resurrected. C'est la Pâque. It's the Passover. C'est une célébration. It's a celebration. À chaque Pâque, tu dois te dire... Tu dois t'arrêter pour bénir. Ce n'est pas histoire de à l'extérieur. Je vais m'habiller comme ça. Je vais me saper comme ça. Je vais manger. Je vais boire ça. C'est la Pâque. C'est aussi la Pâque. That's the la nourriture de Pâque. That's the Passover meal. That's a celebration. Comme un de mes fils, j'ai béni le Seigneur pour lui. That's the party side of it. Une nuit, il m'a poursuivi. Amen. Il dit, maman, j'ai saisi la révélation de cette nourriture de Pâque. One of my J'envoie sons, mon offrande sur quoi? Il était... A few days ago, told me I received the revelation of the Passover meal and I want to contribute. C'est la Pâque. On doit manger le corps, alléluia, de Christ et boire son sang. God bless you for that. So it's a Passover meal. We need to eat the body of Christ and eat or drink the blood of Jesus. Mais à chaque Pâque, tu dois t'arrêter pour dire Seigneur, vraiment. When I look back, où serais-je? Qui serais-je? Comment ma vie allait être we need to stop for a minute sans que tu ne puisses aller me prendre God, if it wasn't dans les for ténèbres. You, I don't even think, I can't even imagine where I would have been. Et à chaque Pâque, il faut être reconnaissant. Il faut laisser le passé passer. You need to be grateful. You need to let your past behind you. Il faut être reconnaissant you need to be de sa position, de ce que Dieu a fait de of ta your vie. Position of what God has done. In your life. Il faut arrêter de rentrer dans le passé. You need to stop Regarde going le passé. Back in the past. Tu regardes le passé en ne regardant pas le passé. You look at the past, Est-ce que tu comprends? But you don't go back to the past. Tu peux regarder quelqu'un you can sans look regarder at la personne. Without looking at that person. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regarde ton passé sans le regarder. Look at your past without looking at it. Et regarde le passé tout en rendant grâce à Dieu. Look at your past and bless the Lord. Parce que tant qu'on n'est pas reconnaissant à Dieu, Because if we are not grateful, on ne va jamais avancer. We won't be able to move on. On va penser que Dieu n'a rien fait. We will think that God has done on va jamais voir us. Ce que Dieu fait. We will never be able to see what God is doing. Quand souvent des frères et sœurs disent, mais moi j'ai l'impression que tout n'en rond. J'ai dit, écoute, Sometimes arrête-toi. People will say, I feel like Regarde I'm, derrière. I'm walking in a cycle and I say, si tu étais mort, a minute, look tu n'allais behind pas parler you. De je tout If n'en you rond. Were dead, you would never would have said, oh, I'm walking in cycle. You are not dead. You are not dead yet. Tu n'es pas encore mort. Dieu n'a pas encore fini avec toi. God is not done with you. Tant que tu n'es pas mort, as long as you live, tu vis encore sur cette terre. You're still on this earth. Le Seigneur n'a pas encore fini avec the toi. The Lord is not done with you. Alors que quand tu es reconnaissant, so when you de are cet grateful, acte, de cet acte gigantesque. Of this, de cet acte d'amour act, que Dieu, même quand love, tu es dans les problèmes, dans la vallée de la mort même, où tu vois les murailles de la mort te tenir, death, les murailles de la maladie te tenir, où on te dit que pour toi est fini, tu vas dire, mais Seigneur, je te bénis down, pour ce que tu as fait pour moi, you pour say, ce que Lord, tu as fait de ma vie. Regarde aujourd'hui où je suis. Look at where Et tu apprécies ce que today, Dieu te donne. And you appreciate what God gives you. Sinon, tu ne vas jamais apprécier. Otherwise, tu vas toujours demander à Dieu, donne-moi, fais ça, donne-moi, fais ça. Alors que Dieu, on doit apprécier la vie qu'il nous donne. But you need to appreciate the life that he gives you. Quand tu es mort, tu vas demander quoi à Dieu? When C'est you fini. Are dead,
What are Mais you tant que ask tu te réveilles God? Le matin, tu dis, Seigneur, je te bénis. Regarde ce que tu as fait de moi. Morning, moi, voilà ma prière. Tu dis, Seigneur, regarde ce que tu as fait de look moi. Je ne dis même pas, regarde ce que tu m'as donné. Parce que say, quand tu dis, Seigneur, regarde ce que tu m'as donné, thing, tu es souvent trop intéressé. Like, dis-lui d'abord, regarde ce que tu as fait de moi. Interest, what you get. But say first, look at what you have done of me. Et bénis Dieu de ce qu'il a see fait de ta vie. See yourself in the mirror and bless the name of the Lord for what He has done Alleluia. In your life. C'est la même chose, la Pâque. À chaque Pâque, parce que c'est le fondement de notre christianisme. The Passover is the foundation of our Christianity. Faut dire le Seigneur en a besoin. Say the Lord needs it. C'est le thème ce soir. Le Seigneur That's en a besoin. That's our theme for tonight. The Lord needs it. Il faut le dire avec conviction, mon frère, ma sœur. I want you to say it with conviction. The Lord needs it. Lorsque j'étais en train de penser à cette veillée de Pâque, when de prier, praying and preparing for et méditer là-dessus, for this night prayer, le Seigneur faisait résonner ça en mon esprit. The Lord resonated this in my spirit. Délivré pour le service du Seigneur. Delivered for the service of God. Je dis, mais quoi délivrer? Qui délivrer? I said, et qu'est-ce qui est délivré pour le service du Seigneur? Who is delivered? Who is delivered for the service of the Lord? Et j'entends, le Seigneur en a besoin. And I hear the Lord needs it. Et la parole me ramena à la parole de l'ânon. And it took me back qui était attaché. To the baby of the donkey who was et lorsque notre papa a pris cette parole le dimanche, when j'ai Papa dit, mais, Kone talked about mais, this on Sunday, le monsieur a pris ma parole. I was like, amen. Look, he talked about what I was gonna preach. Et j'ai about. Béni le Seigneur parce que dans une parole se trouve beaucoup de révélations en fonction God, de ce que le Seigneur veut te donner ou orienter. Based on what the et lorsqu'il Lord est rentré dedans, j'ai receive. Dit, mais le Saint-Esprit est un, alléluia. When he started talking about it, I said, wow, the Holy Spirit lorsqu'il a is fini, definitely je lui ai dit, mais papa, ça and c'est le même test que j'ai pris. I said, Papa, et j'ai reçu cela depuis avant même le Jéricho pour la veiller. Before the Jericho L'Esprit de Dieu that est un. We alléluia. For this day, so I bless the Lord for it. Et le Seigneur dit, le Seigneur en a besoin, mon frère, ma sœur. So the words the Lord says, God needs it. Le Seigneur me disait pendant ce temps de veillée. The Spirit of God was telling me that during this time of night's prayer, je vais détacher des choses, des personnes, des âmes, des situations, des signes prophétiques que j'ai disposé I'm depuis longtemps unbound, et qui sont encore attachés, still, j'ai besoin de ça attached. Pour glorifier else, ma vie dans la vie de mes enfants. Voici la bonne nouvelle, alléluia. Donc sans toi béni, sache que le Seigneur blessed, a dit des paroles. Il y a words, eu des paroles prophétiques, prophetic des paroles words. Bibliques. Des paroles révélées, words, des songes, des visions et tout. Revelation that we give mais chaque fois que le Seigneur donne visions, une promesse, but every time that the Lord gives a promise, à l'intérieur de la promesse se trouve un signe prophétique. And that promise is, you can find a prophetic sign. Et c'est à travers ce signe prophétique and it's que la promesse de Dieu se réalise. Sign that the promise of God comes to pass. Et lorsque la promesse de Dieu se réalise, and when the promise of God is fulfilled, ce signe prophétique te montre que c'est la parole de Dieu qui se réalise. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il m'a ramené dans l'ânon qui est attaché. Et je suis allé chercher la parole. Et Luc 19, verset 28 au verset 40. Alléluia. C'est pourquoi je dis c'est une nuit de triomphe. Amen. C'est une nuit de victoire au nom du Seigneur Jésus. This is a night of triumph. This is a night of victory. Et nous parcourons la parole Jesus. De Dieu. Luc 19, verset 28. Luc 19, verse 28. Nous parcourons la parole de notre Seigneur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit. The Bible says. Après avoir ainsi parlé. After Jesus said this. Jésus marcha devant la foule. He went on ahead of them to Jerusalem. Pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphage, as he came near Bethphage et de Bethany, and Bethany vers la montagne appelée montagne des Oliviers, at the Mount of Olives, Jésus envoya deux de ses disciples. He sent two disciples ahead en disant, with these instructions, allez au village qui est en face. Go to the village there ahead quand of vous you, y serez entrés,
As you go in, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, if someone asks you why, pourquoi vous le détachez-vous, why you are untying, vous lui répondrez, tell him, le Seigneur en a besoin. Faut dire le Seigneur en a besoin. Say the master needs it. Ceux qui étaient au verset 32 envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. They went on their way and found everything just as Jesus has told them. Comme ils détachaient l'anneau, as they were untying the ses maîtres lui leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Why are you untying it? Il répondit, on répond tous ensemble, le Seigneur en a besoin. They answered, the master needs it. Et ils amenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Then they threw the cloaks over the animal and helped quand Jesus il fut get en on. Marche, as he rode on, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Spread the cloaks on the road. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, when he came near Jerusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, at the place where the road went down to the toute Mount la multitude of Olives, des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. The large crowd of his disciples began to thank God and praise him in loud voices for all the great things that they had seen. Il disait, verse 38, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. God bless the king who comes in the name of the Lord. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. And glory to God. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui disent, some dit of the Pharisees Jésus, in the crowd spoke maître, to Jesus, teacher, reprends tes disciples. They said, command your disciples to be quiet. Qu'ils arrêtent de crier comme ça. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Et il répondit, Jesus, je vous le dis, answered, I tell you, s'ils se taisent, if they keep quiet, les pierres crieront. The stones themselves will start shouting. S'ils se taisent, if they keep les quiet, pierres crieront. Faut dire ça. The stones themselves will start shouting. Alléluia. Amen. On bénit cette parole vivante. We bless the name of the Lord. Mon frère, ma sœur, Jésus sisters, a besoin d'un anneau pour rentrer dans Jérusalem the en Lord tant que Jesus roi needed de gloire. A coat to enter Jerusalem as the king of glory. Alléluia. Amen. Dans Zacharie 9, verset 9 à 10, in Zechariah 9, verse 9 to 10, nous lisons la parole let's rapidement. Read. Zacharie 9, verset 9 à 10, Zechariah nous dit, 9, verse 9 to 10, sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Ils annonceront la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a saisi la parole? Amen. Voici ton roi vient, Zacharie 9. Amen. Zacharie, tu n'es pas obligé de lire Zacharie 9. Amen. Du verset 9 au verset 10. Et donc nous retenons, il est juste et victorieux. Nous retenons, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste victorieux. Nous retenons. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu qui a été donnée. Alléluia. Here's the word of God that was given. Depuis combien? Sixième siècle. Alléluia. 600 years ago. Avant Jésus. Before Jesus, la parole a été donnée. The word was given in Zechariah 9. Que Jésus va monter that Jesus sur le dos de l'anon. That Jesus will Alléluia, mount the back pour of rentrer a coat à Jérusalem. To enter Jerusalem. Mon frère, ma sœur, une parole qui a été annoncée depuis combien de a temps? A word that was given for many years depuis combien de before? Temps? For how many years before? Voilà, 600 ans. 6 siècles. Un siècle, c'est ça? Et cette parole a été donnée depuis. And that word was given a long time ago, 600 years before. Et après ces siècles. And after those times, l'anon after dont le time Dieu past, vivant a parlé dans sa parole, the cet anon-là se trouve devant word, Jésus. That coat is before est-ce que tu saisis Jesus. Quelque chose sur cette nuit? Do you receive something through this? Cet anon, donc, that coat, l'anon,
The colt. On n'a même pas dit ânesse, l'ânon. The colt. Et donc l'ânon a eu combien d'années alors? So how many years was l'ânon that colt? L'ânon a eu combien d'années? Depuis la proclamation que cet ânon allait servir à Jésus de rentrer à Jérusalem. From the time l'ânon a eu combien d'années? Proclaimed that voilà. Jesus was going to use the donc, colt to 600, enter Jerusalem. 600 ans. Hein? Et puis l'ânon est arrêté là. Encore 9. Personne n'est monté sur lui. Est-ce que tu comprends une révélation ce soir? Est-ce que tu saisis quelque chose cette nuit? There's a colt tied to a tree waiting for Jesus to mount it. Mon frère, ma sœur, cet ânon a été disposé. That colt was prepared. A été disposé. Was prepared. Was pour que Jésus rentre dans la gloire de Dieu. Was predestined so that Jesus can enter the glory of God. Hallelujah. Amen. Cet ânon a été disposé. That colt regardons was la predestined. Parole prophétique qui a été donnée par Zacharie. Look at the word that was given. Dans cette parole, the prophetic word given by est contenu un signe prophétique. In that et le Seigneur me disait, quand je donne mes paroles à mes enfants, à l'intérieur de la parole se trouvent des signes prophétiques. In that promise, et souvent, quand la parole veut se réaliser, and when the word is about to come to pass, souvent on dit, Seigneur, donne-moi un discernement. Sometimes we say, Lord, give me discernment. Give mais me le a discernement sign. Se trouve dans la parole. Discernment is found in the le word discernement of that se trouve dans la parole prophétique qui a été donnée. In the prophetic word il y a des signes given, prophétiques qui sont à l'intérieur de there la parole. Quand Dieu te promet quelque chose, il y a un signe, il y a des signes prophétiques à l'intérieur. There are prophetic signs in it. La parole a été donnée en Zacharie 9. The word was given in Zechariah 9. Que Jésus allait monter sur un ânon pour rentrer à Jérusalem. To enter Jerusalem. La promesse a été faite, la the parole a été donnée. Was given. Et si Jésus commençait à rentrer à Jérusalem sans l'ânon, est-ce que c'était la parole? Est-ce que c'était la prophétie? Non. Si Jésus était rentré à Jérusalem sur le dos de l'ânesse, est-ce que c'était la prophétie de Dieu? Non. Si Jésus était rentré à cheval, on a horse or on a donkey. Est-ce que c'était la prophétie? Was that going to be the prophet? Si Jésus avait the marché à pied. Promise, est-ce que c'était la prophétie? Jerusalem, pourquoi ce n'est pas la prophétie? By feet, was that going est-ce to que ce n'est pas le même Jésus? Est-ce qu'il n'est pas rentré à Jérusalem? Isn't it the same Jesus? Isn't it alors Jesus pourquoi la prophétie Jerusalem? N'est pas complète? Why, so pourquoi ce n'est pas la prophétie? Not fulfilled? À cause de l'ânon. It's not the prophecy because the colt is missing. À cause de l'ânon. Because the court is missing. Frère, peuple de Dieu, brothers and sisters, cette nuit, le Seigneur a mis des signes prophétiques tonight, the Lord dans ses promesses pour ses prophetic enfants. Signs in his promises for il dit, you, quel que for, soit for us, le temps de la réalisation said, de la prophétie, no matter how long les signes prophétiques sont là. Would say the prophetic et souvent, le signe prophétique est souvent attaché, est souvent bloqué, up, est souvent enfermé quelque part. Donc, tu vois que toi-même, tu es dans la chose, so tu vois que la situation se prophecy, dispose, mais qu'il y a une pièce qui manque. But maîtresse, is c'est missing. Le signe prophétique. The masterpiece is Jésus missing. Était là. The prophetic Jérusalem is était missing. Là. Il était prêt à entrer. Jerusalem il pouvait prendre was tout. There, he was ready to enter it. He could mais have s'il n'était pas entré sur le dos it. De l'ânon, but if he was entering it, ça n'allait pas réaliser cult, la prophétie he qui would a have été been fulfilled donnée the depuis word that was given since Zechariah. Dieu nous donne des prophéties et souvent, Seigneur, cherche discernement. Avec notre chair, nous-mêmes, on aime ça. Donc, flesh. On veut que. Mais à l'intérieur de la prophétie, à l'intérieur de la parole, le Seigneur to, dit to même des songes prophétiques, il donne des signes à l'intérieur. Even when we have prophetic visions, when et quand il y a un signe prophétique dreams, qui se met en marche, il ne faut pas négliger. Sign. Il faut monter dessus. Given, you should not be neglecting et souvent, on laisse les opportunités passer. Puis on vient dire, Seigneur, oh, mais Seigneur, tu m'as oublié. Mais Seigneur, où tu te trouves? Some opportunities, and we ask God, where are monte you? Sur le dos et vas-y, rentre dans la gloire. Mount the back of the colts and enter the glory. L'ânon est un signe prophétique. The colt was a prophetic sign. Faut noter cela. You l'ânon need to write est un that signe down. Prophétique. The colt is a prophetic sign. Que Jésus est le Messie. That Jesus is parce the que c'est parce que l'ânon s'est retrouvé là. Because the colt was there. Que la prophétie que le Messie allait rentrer dans Jérusalem sur le dos de l'ânon. C'est réalisé.
The prophecy about the Messiah that was given, it said that the Messiah, whoever is the Messiah, will enter Jerusalem on the back of a colt. So with the colt being there and Jesus entering Jerusalem on the back of that colt shows that he is the Messiah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a besoin, Dieu l'a déjà disposé pour te faire entrer dans la gloire. Whatever God needs, mais cette nuit-là, il est question que tous ces anneaux qui sont attachés, parce que l'anneau qui a été prophétisé depuis Zacharie, qui devait porter Jésus pour rentrer à Jérusalem, cet anneau était attaché dans le village d'en face. Faut du village d'en face. Alléluia. In the village facing Jerusalem. Il a fallu que Jésus envoie deux de ses disciples pour aller détacher l'anneau. Le Seigneur a dit beaucoup de promesses. The Lord gave Il a donné beaucoup de paroles. Des gens voient des songes extraordinaires. Puissants, alléluia. Amazing, extraordinary dreams. Mais il dit cette nuit, ce qu'il va faire pour nous. And à chaque année, Dieu tonight, accomplit des choses au nom du Seigneur he's Jésus. Gonna do something special à chaque Pâques, il accomplit des choses. Passover, il dit à chaque Pâques, il descend. Il renouvelle cette grâce de son alliance. Passover, donc tous ces signes prophétiques so all those prophetic signs, qui doivent nous faire rentrer dans la gloire de Dieu have to make us into the glory of God, pour que Jésus soit vu dans notre vie. So that Jesus can be seen in our lives. Il dit souvent tous ces signes prophétiques souvent sont attachés. Sometimes all those prophetic signs tout est là, are tied up mais il manque else. Ce signe prophétique. Everything is in alors place, cette nuit, il va détacher tous ces signes prophétiques so tonight he's going to qui sont contenus dans tout ce qu'il a prévu sur la vie de son peuple. That we need for everything that he has spoken over the life of his people. Ce que Dieu a besoin, what God needs, ce que le Seigneur Jésus a besoin what the master needs, pour manifester sa gloire to dans ta manifest vie, his glory in your life, tout ce qui est attaché. Everything that is tied mais cette nuit, c'est le détachement total. We'll et c'est sous l'ordre du tonight, Seigneur. Les disciples ne sont pas partis d'eux-mêmes. Jesus, the disciples did not go by themselves. Parce qu'à travers la parole, le Seigneur nous donne l'ordre. Et cette nuit, c'est la through libération, God, le détachement de tous ces signes prophétiques. And it's he's going to come and untie all those prophetic signs. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Que cette nuit, les signes prophétiques, the prophetic l'anneau doit signs, être détaché. Alléluia. In your life will be untied. Détaché. Faut dire détaché. Say untied. Et ce signe prophétique, c'est ce que le Seigneur a disposé pour te faire entrer, pour nous faire entrer dans sa gloire. And that prophetic sign is what the Lord has predestined to make you enter his glory. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'anneau c'est le petit de l'ânesse. The Bible says that a colt is a foal of a donkey. Il était pur, alléluia. It was pure. Il était pur, amen. Amen. L'anneau c'est des personnes. L'anneau c'est the toi. Could be c'est moi. People. C'est nous cette be nuit. You. It could be l'anneau me. C'est des situations. It's us. It could be a situation. Alléluia. Amen. C'est des opportunités, des it occasions. Could be an opportunity. Que Dieu avait prévu déjà, mais dans la réalisation, le signe prophétique est attaché. Mais cette nuit, commence à regarder devant toi le village d'en face. Commence à leur parler que cet anneau, parce que Dieu nous donne à travers sa parole le signalement d'aller détacher ces anneaux. Des situations d'opportunité qui sont bloquées. Et toi-même, tu sais que Dieu t'a fait rentrer déjà. Alléluia. Given you the promise, the fulfillment of that promise. Isaïe 58. In Isaiah 58. Nous prenons la parole rapidement. We read the word of God quickly. Du verset 6 au verset 8. Verse 6 to 8. Je dis ce soir, ils sont détachés par le sang de l'agneau. I'm telling le sang you, qui tonight, a coulé. Et tu continues de couler. Tous les signes prophétiques. Concernant ce que, alléluia, Dieu a disposé pour que on voit la gloire de Dieu sur ta vie. To see the glory of God in your life. Isaïe 58. Isaiah 58. Verset 6 à 8, si tu as trouvé, verse tu commences à lire. Verse 6 to 8, the Bible says, the king, the kind of fasting I want is this. Remove the chains of oppression and the yoke of injustice and let the oppressed go free.
Verse 7, share your food with the hungry and open your homes to the homeless poor. Give clothes to those who have nothing to wear and do not refuse to help your own relatives. Your own relatives. Then my favor, verse 8, will shine on you like the morning sun, and your wounds will be quickly healed. I will always be with you to save you. My presence will protect you on every side. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Amen. Voici ce qui plaît à l'Éternel. This is what the Lord wants and likes. Détacher les chaînes, détacher les âmes des personnes que Dieu a disposées pour te faire entrer dans la gloire, dans la victoire. Alléluia. Untie all those people that God has predestined to help you enter your victory. Aujourd'hui, c'est l'anon, mon frère, today, ma sœur. Today it's the coat, brothers and sisters. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, c'est l'anon. C'est l'anon qui a permis à notre Seigneur Jésus de rentrer dans la gloire, comme un roi de gloire, comme le roi de gloire dans Jérusalem. As a king, the king of glory. Et aujourd'hui, cet anon, c'est qui? And today, that coat, who is cet that anon, coat? C'est moi. Cet anon, c'est toi. Cet anon, c'est you. Nous, alléluia. It's us. Et lorsque nous lisons la parole, and when we read the word, la parole nous dit que the Bible says, l'anon a porté Jésus. That the coat bear Jesus. Alléluia. Amen. L'anon a porté Jésus pour que Jésus puisse rentrer dans la gloire. So that he could enter glory. Et aujourd'hui, c'est nous qui devons porter Jésus. Alléluia. So today we pour need qu'on to, voit Jésus, to, je to, disais to, mais attends. We need to let Jesus mount on us so that Jesus can be seen. L'anon qui a porté Jésus, mon frère, ma sœur. Jesus mounted l'anon the était coat, attaché. But the coat was tied up. L'anon était attaché. L'anon ne pouvait pas aller loin de là où the coat could not go too far. Il était attaché, alléluia. It was tied up. Il ne pouvait même pas être maître de ses mouvements. Il n'était pas libre. He wasn't free. Mais regardez cet anon. Nous allons voir quelques caractéristiques de l'anon. Mais regardez cet anon. Mais c'est puissant. J'ai dit, il faut dire c'est puissant. Alléluia. Je disais, mais Seigneur, cet anon qui était attaché là. That coat, quand Jésus a dit, allez-y le détacher. Mais regardez. That was tied up by the tree. Jesus said, go and untie it. La Bible dit que l'anon était quoi? L'anon était pur. The Bible says that the coat was pure, never used. Personne n'était jamais monté sur l'anon. Nobody had ever mounted the coat before. Caractéristique 1. Alléluia. So first characteristic, personne n'était monté sur l'anneau. Nobody has ever mounted it. Ça veut dire quoi? L'anneau était that là. Mean? L'anneau était encore jeune, était encore fragile. The coat was still, was young. Parce qu'il faut que l'anneau puisse atteindre un certain pour pouvoir monter dessus. Because the coat has to grow in order for people to start using it as a full grown donkey. Donc l'anneau était trop jeune. So the coat was still young. Fragile. Fragile. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te sens trop jeune, tu te sens fragile? Do you feel too young? Tu sens que toi là, do you tu peux feel pas like porter Jésus. You cannot tu peux même pas let porter Jesus un homme. Mount on you yet. You cannot let tu peux pas prier pour délivrer yet. Quelqu'un. You alléluia. Cannot, meaning you cannot pray et for toi-même, tu sens yet. Que je suis encore lié. Because mais you ce feel soir, like, I'm tu still vas comprendre. Tied up, but tonight you will understand. Alléluia. Amen. Cet anneau était là, attaché. That coat was tied up. Inutile. L'anneau ne servait useless pas encore. Because it could personne not ne be montait. Used. Parce que les ânes ou les ânes étaient là pour porter des gens. Because pour porter des bagages. Alléluia. Were used to, mais cet anneau était encore fragile. And to carry, baggages, but that coat was still young and fragile. Donc tu te dis, non, moi je ne peux pas. So you tell yourself, oh, no, I can't. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que l'anneau était attaché. The Bible says the coat was tied up. Donc il n'était pas libre. So the coat wasn't free. Il y avait une corde qui l'empêchait de circuler, d'être libre, d'aller plus loin. He donc l'anneau tournait up,
hein, là où on l'avait attaché. From roaming away in the village, keeping it from being free of its movement. Luc 13 au verset 10 au verset 17 nous dit alléluia. Et nous n'allons pas lire, nous prenons les références qui nous parlent de la femme que Satan avait liée depuis 18 années, que Jésus a déliée, alléluia, a déliée de la souffrance, woman who was sick and de l'isolement, alléluia. Cet anneau était lié et isolé. That cult was tied up and isolated. Mais dans cette parole, cette femme-là, depuis 18 ans, était liée par Satan. And here in Luke 13, verse 10, mais it Jésus talks about that l'a déliée de ses souffrances, alléluia. Bound et donc cet ennui, c'est la libération des prisons, so libération de la captivité, libération des liens, prison, libération de tout manque de liberté, tout manque d'expression, toute pollution spirituelle, c'est la libération totale. Tu peux te sentir fragilisé. Tu peux te sentir incapable. Tu peux sentir que toi, je suis inutile. Mais cette nuit, le Seigneur veut te dire, sous son ordre, tu es quelqu'un. Sous ton ordre, il envoie ses anges. Il envoie ses envoyés pour aller les libérer, aller délivrer, aller ouvrir toutes les portes, afin que tu puisses le servir. Car le Seigneur a besoin de toi. Il en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. The Lord needs you. Cet anneau était lié. Quels que soient les liens de mort, cet ennui, sens-toi privilégié. Quel que soit tout ce qui t'enchaîne, mais sache que sous l'ordre du Seigneur, il a déclaré que l'anneau est pur. Le Seigneur a envoyé sous l'ordre. On a vu avec Pierre. Sous l'ordre du Seigneur, like Pierre a jeté ses filets. By the order of Jesus, Peter threw his nets. Quel que soit les liens qui te lient, no quelle que soit la situation, alléluia. That is bounding you. L'anneau était sous autorité des maîtres. Verset 33. Sous autorité des maîtres. The cult was under the authority. L'anneau avait of des maîtres. Masters. The cult faut dire, had peut-être masters. J'ai des maîtres, peut-être les maîtres sont là. Maybe ou j'ai des maîtres. Masters. Où il y a des gens qui se proclament maître de ma vie. Mais cette nuit, le vrai maître est là. Sous déclaration, il vient. Alléluia. Nous et nos familles, nous et toutes ces personnes. Mais car, Seigneur, cette nuit, le sang de l'agneau qui a coulé et tu continues de couler, nous allons venir avec toutes ces personnes pour déchaîner nous-mêmes, déchaîner tous les membres de nos familles. Déchaîner toutes ces personnes pour qui nous prions. Nous allons les amener. Alléluia. Car sous l'ordre du Seigneur, il a dit, allez-y les détacher. Allez-y détacher l'anneau. Il nous donne l'autorité, le pouvoir, par le sang de Jésus, de détacher tout ce qui a été attaché. Oh Seigneur. Alléluia. Il y a des maîtres. Des maîtres. Qui ont mis cet anneau là sous l'exploitation, who tied up that coat, sous la servitude, who kept that coat. Peut-être même l'anneau était attaché là sous le soleil, alléluia. Maybe that coat was tied up. Peut-être que la pluie chicotait cet anneau, alléluia. And the rain would come down. Peut-être que des situations malheureuses arrivaient à l'anneau, alléluia. Mais sache que Seigneur, ce soir, toutes ces choses qui sont dépend, alléluia. Aïe. Seigneur, sois béni, Seigneur. We bless you, alléluia. Lord. L'anneau appartenait à des maîtres. The coat belonged to des masters, maîtres qui l'exploitaient. Masters des maîtres qui l'ont attaché. It, des maîtres qui up, peut-être même peuvent le vendre. Who probably ne même pas l'utiliser, mais le vendre. It, comme les frères de Joseph l'ont like vendu. Alléluia. The brothers of Joseph sold him away. Te jeter dans un puits. Tu es inutile. Toi, tu ne sers à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, tonight, le Seigneur te connaît. That the Lord knows you. Le Seigneur te connaît. The Lord knows you. Il nous connaît. He knows le Seigneur us. Me connaît. He knows me. Quelle que soit la situation dans laquelle tu no te matter trouves. The situation that you find yourself mais in, le Seigneur t'a localisé. Know that the Lord has found en you. Ce temps de Pâques 2021, the Lord located le Seigneur t'a localisé. You in this time of
2021 quel que soit dans le village où tu te trouves, no matter quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, at, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, the city le quartier, the neighborhood, la situation, the situation, la situation d'incapacité, la situation de tu es fragile. Il y a des situations qui nous dépassent par moment. Il y a des situations qui mais there sache que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. That the Lord needs you. Aucun homme n'était monté sur l'anneau. No man had mounted the coat yet. Mais Jésus est monté sur l'anneau. But Jesus mounted the le coat. Roi de gloire est monté the sur l'anneau. The King of glory mounted the coat. Le Messie est monté the sur l'anneau. The Messiah mounted the coat. Peut-être que tu es inutile, peut-être maybe que les situations qui t'arrivent, tu n'arrives pas à comprendre. And those mais cette tenue, le Seigneur te dit, them. Tu es l'anneau dont il a but besoin. God is tu es l'anneau you dont you il a besoin. Dans needs. Tes fragilités, dans tes incapacités, dans your, tout ce qui est faiblesse de ta vie, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Pour aller le servir, pour sa gloire. Le Seigneur veut monter sur toi. Le Seigneur veut qu'à travers ta vie, on puisse voir sa gloire. Parce qu'à travers l'anneau, on a vu Jésus. À travers l'anneau, on a vu la gloire de Jésus. Alors, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin des âmes. Le Seigneur a besoin de tout ce qu'il a disposé. Pour la gloire de son nom, pour les servir. Ils sont encore attachés cette nuit. Le sang de Jésus ruisselle. Le sang de Jésus coule. Et cette nuit, il vient détacher les liens. Il vient détacher les chaînes. Il vient faire tomber toutes ces chaînes. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Baba Kai Konteshi. Reba Ubara Kabai Konte Kibaush. Le Seigneur en a besoin. The Lord, the Master needs it. No matter what your situation, alléluia. Peu importe ta situation. Peu importe, oh Seigneur, tout ce que tu vis. Mais c'est ton noir. Oh Seigneur, c'est ton nuit. You are free. You are free. Parce que le Seigneur Jésus, il déclare que tu es libéré. Il déclare que, quelle que soit l'inutilité de ta vie, quelles que soient les oppressions, les chaînes, quels que soient ceux qui réclament de ta vie, toutes les réclamations, mais sache qu'il a décidé à travers sa parole, cette ennui, que tu es libéré, tu es détaché parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de ton dos, il a besoin de cet anneau, il a besoin de nos vies, il a besoin de tous ceux qui sont enchaînés, qu'il a disposé depuis il y a 2000 ans pour son service. L'anneau était fragilisé et limité. Comment tu te sens? Peut-être tu es limité. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es limité. Peut-être les situations te dépassent. Peut-être tu ne comprends rien. Mais le Seigneur te dit ce soir, il a besoin de toi. Il n'a pas attendu que l'anneau soit à l'aise. Il n'a pas attendu que l'anneau soit grand, soit puissant. Mais il a pris l'anneau dans sa faiblesse. Il a pris l'anneau dans ses limites. Il a pris l'anneau dans tout ce qui était iniquité. Il a pris l'anneau dans ses chaînes. Il a libéré l'anneau. Il a déchaîné l'anneau. Il dit, ramenez-le-moi. Ce soir, tu as Jésus. Ce soir, nous sommes à lui. Tonight we tell Jesus, Lord, we are here for you. We are yours. Il dit, ramenez-le-moi. He said, bring it back to me. Ramenez-le-moi. Bring it back to me. C'est dans ta faiblesse que le Seigneur a besoin de toi. C'est dans tes limites qu'il a besoin de toi. It's in your limitation that the Lord needs you. Oh. C'est dans tout ce qui est incapacité de ta vie qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour sa gloire. Tu dois le porter. Tu dois le porter. On doit voir la gloire de Dieu à travers ta vie. Ne te dis plus je suis limité. Ne te dis plus je ne peux rien. Je ne suis rien. Ne te dis plus cela. Car la parole te trouve ce soir, te localise en ce soir. Because the word of God has located you and is using you. La parole te localise ce soir. The word is finding you tonight. C'est dans ta fragilité que Jésus vient ce soir à toi. That Jesus comes. C'est Jésus qui a localisé l'anneau. Jesus found the coat. Il a envoyé ses disciples and he sent aller détacher l'anneau. To go et ce soir, il t'a localisé. Il and nous a localisé. Il a localisé ce ministère. Il a localisé cette communauté. Il a localisé ta famille. Il a localisé tes enfants. Il a localisé de là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur connaît. Il connaît. The Lord knows your situation. Il connaît tes limites. He knows your limits. L'anneau était attaché, limité. The cord was limited and tied up. Il y avait beaucoup d'anneaux dans ce village. There were a lot of donkeys in Mais that village. Mais cet anneau prophétique, car Dieu t'a préservé. Because God has kept Dieu t'a préservé. You. God has kept Il a préservé ta vie. Till today, he has kept your Il nous life. A préservé pour he son has service. Kept us for his service. Il connaît nos limites. He Il knows connaît, our limits. Il connaît nos faiblesses. He knows our weaknesses. Oh. C'est dans nos faiblesses qu'il se fortifie. And in our weaknesses, he is strong. Jésus est monté sur le dos God de l'anneau. Mounted that coat. Cet anneau-là, mon frère, ma soeur, and that coat, brothers and sisters, était inutile. Was useless. Mais quand l'anneau était venu vers Jésus, But when the coat came to la Bible Jesus, dit que les Les disciples ont jeté leurs vêtements sur l'anneau. Le Seigneur t'habille dans ta faiblesse, te détache, il t'habille. Le Seigneur t'habille de l'habit royal. Un habit royal. L'anneau est rentré dans la gloire avec Jésus. L'anneau est rentré dans la gloire avec Jésus. L'anneau a marché sur les vêtements, les palmiers. L'anneau aussi était dans la gloire. Dans ta faiblesse cette nuit, le Seigneur te lève dans la gloire. Le Seigneur te lève dans la gloire. Dans ta faiblesse. Dans ta faiblesse. Dans ta faiblesse. Dans tes limites. Il vient détacher tout ce qu'attachement est lié dans le nom du Seigneur Jésus. Pour te ramener. Pour te faire rentrer avec lui. Jésus veut te faire rentrer avec lui. Il veut te faire rentrer avec lui. Dans les profondeurs. Afin de couper toutes les chaînes, de délier toutes les chaînes, de couper les liens, les liens de mort, les liens de mort, les liens de limitation. Cette nuit, les liens de limitation, Seigneur, sont déchaînés. Les liens de limitation qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de rentrer dans la victoire, sont déchaînés. Dans le nom du Seigneur Jésus, il dit détachez-le-moi, amenez-le-moi à moi, amenez-le-moi, amenez-le-moi, l'anneau. L'anneau. Bring me the coat. Oui, l'anneau. Say Il dit amenez-le-moi. He said, bring me the coat. Le Seigneur nous localise. The Lord is finding you. Il t'a localisé. He has found you. C'est pas lorsque tu es fort It's not que le Seigneur you te localise. That the Lord C'est lorsque you. Tu es faible. It's when you are weak. Lorsque personne when ne pense à toi. Lorsque tu es inutile. You. When you are useless. Lorsque Personne ne peut t'utiliser. Mais Dieu te prend pour glorifier son saint nom. Dieu te prend. God takes pour montrer qu'il est Dieu. To show that he's God. Jésus est monté. God, Jesus mounted. Cet anneau a reçu l'honneur. And the coat received Car c'est the le honor. Pied, les pas de l'anneau qui marchait sur les palmiers, les bagnes. The feet of the coat l'anneau a été couvert. L'anneau a été habillé. Dieu t'habille. Le Seigneur Jésus God t'habille. Il t'habille cette nuit. Il t'habille. Ta nudité est finie. La nudité est finie, mon you frère. Are no longer, La nudité est finie. You are no longer exposed. Oui, il t'habille. Your nudity is il t'habille. Over. He's la pierre d'angle rejetée est devenue la pierre des bâtisseurs. Au nom du Seigneur Jésus. Il t'habille. Il t'habille. Il t'habille. Alléluia, he's il t'habille. Le Seigneur t'habille. The Lord is oh, putting Jésus. His clothes on you. Il a habillé l'anneau. Il a habillé l'anneau. He put his Ce soir, on the coat. Les disciples ont jeté les habits. La Bible nous dit dans Actes des apôtres, les habits des apôtres guérissaient les malades. Dieu vient t'habiller cette nuit par le recouvrement Heal de sa gloire. The sick. God is clothing you for his Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur t'habille. Toute ton nudité est terminée. Il te donne l'habit royal, l'onction, l'habit, le couronne you de victoire. Mais ce soir, reçois. De là où tu te trouves, reçois cela. Reçois ce couronnement. Toi qui as faibli, sache que le If Seigneur te weakened, relève. Know that the Lord ce n'est pas l'anneau qui a cherché Jésus. Jésus l'avait déjà localisé. Jésus a envoyé ses disciples. Il dit, allez-y me le chercher. Et ce soir, le Seigneur vient te chercher. Le Seigneur vient nous chercher. La lumière de Dieu est tournée vers nous ce soir. Est tournée vers toi. Alléluia. Le manteau des consacrés. The cloaks of the disciples of the consecrated. Le psaume 23 nous dit. Psalm 23 says. Il verse l'huile sur ma tête et ma tête est debout. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont jeté leur habit sur
l'anneau? Who is the anointing? Est-ce que tu vois l'habit de consacré de Dieu sur ta vie? Do you see? Toi qui penses que tout est fini, tu ne sers plus à rien. Mais c'est la bonne nouvelle. Jésus t'a localisé. Dans ta faiblesse, il te fait rentrer dans la gloire. Alléluia. He makes you enter victory. Hallelujah. La femme qui saignait depuis 12 ans. The woman who was Luc 8:44. Elle a dit, je vais toucher le manteau de Jésus. L'habit, la puissance de l'habit. Dieu te donne cet habit. L'habit que l'anneau a reçu. L'anneau a reçu l'habit. L'anneau est habillé. Cet anneau fragilisé qui était là-bas attaché, qui ne savait même pas le sort qui lui était réservé. Peut-être on allait le vendre. Maybe he was going to be sold. Peut-être on allait le jeter quelque part. Maybe he was going to be left out. Peut-être on allait mettre des bagages sur lui jusqu'à ce qu'il puisse s'écrouler. Maybe he would have been overwhelmed by burden. Peut-être on allait le laisser périr là. Maybe he was going to be left to die there. Mais Jésus l'a localisé. But Jesus located the Parce que cet anneau fait partie du signe prophétique de la réalisation de la parole. Tu as dit des paroles. Tous les signes prophétiques qui sont attachés. Oh Yahweh, cette nuit, cette nuit de libération, cette nuit de délivrance, cette nuit Jésus, le sang de Jésus, Seigneur a touché les profondeurs. Cette nuit-là, que tout signe prophétique de l'anneau, Seigneur, reçoive, oh, reçoive l'habit royal, l'habit des consacrés, l'habit de la consécration, l'habit, tu n'es plus nu. Tu n'es plus nu. La nudité est finie dans ta vie. La nudité est finie dans ta vie au nom de Jésus. C'est l'habit de Dieu qui met sur ta vie cette nuit. Au nom du Seigneur Jésus. Mais sache cela. Sache cela. Sache cela. L'habit. L'habit. Oh Yahweh. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Et baba baba baba. Alléluia Seigneur. Saint-Esprit, agis ce soir. Prends le contrôle, papa. Prends le contrôle, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste, Seigneur, ta gloire. Manifeste que tu es Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as localisés. Tu as localisé quelqu'un. Tu as localisé un frère. Oh, cette nuit. Oh, mon frère, ma soeur. Tu es habillé. Jésus est monté sur l'anneau. Jésus est monté sur l'anneau. L'anneau a porté Jésus. L'anneau a porté Jésus. And the coat. Oh, alléluia. Took Jesus to enter Jerusalem. Est-ce que tu sais que le Seigneur a besoin de toi? Do you know that the Lord Le Seigneur en a besoin. Laisse-le monter. Laisse-le monter sur toi. Laisse-le monter sur ton dos ce soir. Laisse-le, tu es capable de le porter. Tu es capable de le porter. Il sait que tu es fragile. Il sait que tu as des limites. Il sait que tu ne peux pas. Mais laisse-toi. Laisse-le monter sur toi. Laisse-le. Laisse-le, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dans tout ce que tu vis comme réalité, Dieu a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. L'anneau est monté à Jérusalem aussi. L'anneau a porté Jésus. Et tu portes Jésus. Veux-tu que Jésus soit sur ton dos? Veux-tu le porter? Dans ta faiblesse, veux-tu le porter? Dans tes incapacités, veux-tu le porter? Dans ta fragilité, veux-tu le porter? Dans toute oppression de ta vie, veux-tu le porter? Car lorsque Jésus veut porter, veut monter, pour qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie, Jésus te libère. Jésus t'a franchi. Jésus t'amène de là où tu es à lui. Jésus te fait quitter ces situations. Que ça t'ennuie ces situations. Que tu puisses les quitter. Dans le nom du Seigneur Jésus, que tu puisses quitter l'attachement à ces arbres, l'attachement à ces cailloux, l'attachement à toutes ces situations, mais que tu sois détaché pour Jésus. For Jesus, for him. Alléluia. Il dit, amenez-le-moi.
Tu appartiens à Jésus. Nous appartenons à Jésus. We belong to Jesus. Tu as été libéré. Tu appartiens à Jésus. You were tu as été affranchi. Free. Tu appartiens à Jésus. You were set tu es à lui. You belong to Jesus. Lorsque tu es à Jésus, toutes choses sont possibles dans ta vie. Tes infidélités deviennent fidélités. Tes incapacités deviennent capacités. Tes limites, au Seigneur, sont quittées. Lorsque tu as Jésus, il n'y a plus de limitations dans ta vie. Il n'y a plus de peur. Et ça t'ennuie. Oh, yeah, 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 yeah. Et baba. Jésus. 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 Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de nous. Jesus needs you. Pour montrer sa gloire. To show his glory. Jésus est monté sur l'anneau. Jesus mounted the goat. Pour que soit le roi de gloire. To enter l'anneau Jerusalem fait partie as the king of glory and the de ce que Jésus a été glorifié. Contributed to the, mon frère, ma soeur, tu fais partie de ce que Jésus doit glorifier à travers ta vie. Les gens doivent voir Jésus à travers ta vie. On doit voir la gloire de Dieu à travers ta vie. Porter Jésus, c'est ça. Porter Jésus à travers ta vie. On doit voir que Jésus est ressuscité. On doit voir la gloire de Dieu. On doit voir le roi de gloire. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi. Arrête de te limiter. Arrête de te sentir incapable. Arrête de sentir que les choses ne sont pas bien dans ta vie. Arrête. Parce que quand tu as Jésus, tu es déjà détaché. Quand tu as Jésus, tu es déjà libéré. Quand tu as Jésus, il n'y a plus de fragilité. Parce que la présence de Jésus te fortifie. La présence de Jésus te donne de rentrer dans la gloire, dans la victoire. La présence de Jésus fait de toi quelqu'un. La présence de Jésus te révèle à la gloire de Dieu. La présence de Jésus dans ta vie te donne de connaître les profondeurs de tout ce que Dieu a disposé dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh Seigneur, quelle nuit. Une nuit de miracles. A night of de prodiges. Miracle, of Seigneur. Wonders. L'anneau a porté Jésus, mon frère, ma soeur. The coat carried Jesus. Est-ce qu'on va arrêter? Are we going to stop? De nous limiter. To limit ourselves. Personne n'était monté sur cet anneau. No one ça veut dire que l'anneau n'avait before. Pas eu le temps, la capacité de se fortifier. Parce que lorsque on porte des choses sur l'anneau, l'anneau commence à se fortifier. Mais tu es affaibli. Mais Jésus monte sur toi. Jésus te fait rentrer dans la gloire. Ce soir, est-ce que tu acceptes la parole? Strengthens itself. Seigneur. Alléluia. L'anneau n'était plus seul. The coat was not alone anymore. Tu n'es plus seul. You are no longer alone. Tu as le Seigneur. You have the Lord. Et la Bible dit que les disciples ont entouré l'anneau. Tu as des frères et sœurs. You have tu as des personnes qui sont là. You have people who are there que Dieu a disposé pour te conduire dans la gloire au nom du Seigneur Jésus. Glory, tu n'es plus seul. À part la solitude. L'anneau no n'était plus seul. Détaché, appartenant à Jésus. Tu n'es plus seul. Alléluia. You are no longer alone. Il est avec toi. He is with you. Il est avec toi. He is with you. Il est avec toi. He is with you. Alléluia. Alléluia. Ouh, Seigneur. Mon frère, ma soeur. Notre mission, ta mission, ma mission. Alléluia. C'est encore. Ouh, Seigneur, mon Dieu. Aller au service de Dieu. Servir le Seigneur. Servir le Seigneur avec nos limitations. Servir le Seigneur avec nos fragilités. C'est lui qui nous renforce. C'est lui qui nous renforce. C'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui nous fait rentrer dans la gloire. Arrête. Le Seigneur t'a localisé. Il t'a localisé au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de te dire. Je suis en train de proclamer. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train d'ouvrir tes yeux dans le nom de Jésus. Et je suis en train d'ouvrir ton cœur pour que ton cœur accepte que Dieu t'a localisé. Le Seigneur Jésus, il t'a localisé. Ce n'est pas l'anneau qui allait chercher Jésus. Alléluia. Mais Jésus est venu. Il avait déjà localisé. La parole a été donnée. Il y a depuis, Seigneur mon Dieu, six siècles, des paroles ont été données. Peut-être ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait cinq ans, ça fait dix ans. Peut-être tu ne vois pas, mais cette nuit, je vais te donner la parole vivante. Que le signe prophétique qui a été attaché, détaché aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus,
pour que tu puisses rentrer dans la victoire, dans la gloire avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. For you to Alléluia. The glory oh the Seigneur. Alléluia. Oh, cette nuit, nous allons prier, mon frère, ma soeur. Cette nuit, nous allons prier, mon frère, ma soeur. Cette nuit, regarde, cette nuit, le Seigneur a besoin. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Pour que le monde voie sa gloire. Le Seigneur a besoin de nous. Pour que ce monde dans lequel nous vivons puisse voir la gloire de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Arrêtons. Arrêtons de te sous-estimer. Arrêtons de tout faire. Mais le signe prophétique qui a été attaché. Mais cette nuit, le Seigneur va détacher toutes ces personnes qu'il a disposées. Il y a des années, il y a des décennies pour toi, pour te conduire, pour te faire rentrer dans la victoire, des signes prophétiques, des personnes, des âmes, pour nous faire rentrer là où Dieu lui-même a disposé, à Jérusalem, la gloire, lui pour montrer que voici ma gloire, voici la réalisation de la promesse sur ta vie. Voici la réalisation de ce que Dieu a dit sur ta vie. Mon frère, ma soeur, regarde déjà, regarde déjà, regarde déjà. Oh Seigneur, sois béni, papa. Sois glorifié. Sois magnifié. Oh Yahweh, je me sens libéré. Je me sens franchi. Je sens que Jésus a besoin de moi. Je sens, il a besoin de moi. Quelles que soient mes limitations. Lui, lorsqu'il est avec moi, lorsque je suis à lui, je lui appartiens. Je ne suis plus limité. Je ne suis plus limité. Je suis intelligente. Lui, lorsque Jésus est dans ma vie, oh Seigneur, la gloire. Je connais le couronnement. Je connais, je reçois l'habit royal. Alléluia. The royal clothing. Oh. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Que Baba ou Sheke. Alléluia. Que Baba ou Sheke Baouche. Saisi de joie, se mit à louer à haute voix pour les miracles qu'il a vus. Qu'ils avaient déjà vu. Alléluia. Je dis tout ce que, tout ce qui est encore attaché, lié, qui est contenu dans la promesse de Dieu. Cette nuit même, au nom du Seigneur Jésus, sont détachés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sens que tu es l'annonce ce soir, cette nuit? Est-ce que tu sens que tu es cette annonce? Do you feel that you are this cult, ce signe prophétique? That prophetic sign, pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Est-ce que tu te sens comme ce signe prophétique? Do you feel like that prophetic sign, pour glorifier le nom du Seigneur? For the glory of the Lord. Est-ce que tu te sens? Do you feel, est-ce que tu vois? Do you see it? Est-ce que tu vois qui t'a localisé? Do you see that he has found you? Est-ce que tu vois? Do you see que toutes ces choses, cette nuit, par le pouvoir du sang véritable de l'agneau, tonight, by the les détache of the blood of Jesus, pour la gloire all de Dieu. Those things are untied for the glory of pour God, qu'à travers ta vie, on voit Jésus. So that through your life we could see Jesus. Car l'agneau a porté Jésus. Because the cult carried qu'à Jesus. Travers ta vie, on voit la grandeur that de Dieu. Your life, we see the greatness qu'à travers of God, ta vie, Jésus soit reconnu. Life, Jesus could be recognized. Que tous ces signes prophétiques that all those prophetic signs qui sont encore liés, who are still tied up, attachés, cette nuit, soient détachés. Tonight will be untied in the name et que of des Jesus. Miracles, des and prodiges de l'éternel puissent s'accomplir. Will come to pass and be fulfilled. Comme les disciples ont vu, ils étaient dans la joie. Saw, they were praising the ils Lord. Étaient dans la joie they were de voir ces prodiges, ces miracles. The miracles because they had seen the miracles of God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sens cette victoire, cette do gloire? You feel that victory tonight? Est-ce que tu sens que tu as été localisé cette nuit? Do you feel that you've been found by the Lord Jesus? Que des paroles prophétiques que Dieu a données. That the prophetic words that were given for you. Les signes prophétiques à l'intérieur cette nuit. Within those prophetic et nous allons prier tonight, pour que ces signes prophétiques soient détachés au nom de Jésus. To be untied in the name of pour nous Jesus. Faire rentrer dans la gloire to de Dieu. Pour nous faire rentrer dans la victoire au nom du Seigneur Jésus. Victory.